bonjour voilà aujourd'hui on va analyser les médias l'émission devait avoir lieu la semaine passée mais euh, bon j'ai été euh, assez fort malade c'est le premier jour où ça va un peu mieux j'espère que ça tiendra le coup parce que la semaine passée la, la journée passée j'avais même pas de voix mais bon là je crois que ça va aller mieux surtout avec vous en ligne et pardon la question? qui est vraiment importante, c'est pourquoi les Gilets jaunes sont fâchés sur les médias. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, et comment fonctionne le système des médias. Et comme euh, moi, ben, ça fait euh, environ une trentaine d'années que je suis fâché sur les médias et que j'essaie de faire quelque chose pour montrer euh, comment fonctionne la désinformation, je voudrais communiquer mon expérience qui portent sur des questions un peu différentes, on pourrait penser, mais en fait, on verra que non. Je pense que on fait la même expérience. On va aussi un peu analyser, <coughs> pardon, on va aussi un peu analyser quelle vision de l'économie, de la pauvreté, des relations riches-pauvres les médias apportent avec eux. Et bien sûr, on va essayer de creuser la question que faire, qui nous préoccupe tous évidemment. Ce n'est pas une émission pour pleurer, investi hein, action, c'est une émission pour agir. Et voilà, on va... ça fait pas mal au menu. On verra bien si euh, la voix tient le coup. Euh, sinon, euh, on, on reportera un petit peu. On se reverra encore la semaine prochaine. Mais voilà, je crois que c'est important. J'espère que vous m'entendez bien. Je regarde. Euh, oui, apparemment, il n'y a pas de plainte sur le son. Bien. Euh, pourquoi les, les médias fâchent-ils les Gilets jaunes bah, Il suffit un peu de regarder comment ils les traitent. J'ai rassemblé deux, trois images. Un samedi à très haut risque. La dangereuse escalade. Ça passe ou ça casse. Vous voyez, tout est fait pour faire trembler dans les chaumières. Tout est fait pour montrer... Ce mouvement, au début, comme sympathique, mais maintenant, ça ne va plus, ça dégénère, c'est violent. Et la question que ça pose, toutes ces images, et il y en a eu plein d'autres, la question que ça pose, c'est, mais d'où vient la violence L'émission de la semaine prochaine, je vais l'intituler La violence des riches, et on va parler de la richesse et de la violence qu'elle implique. Mais ça n'est jamais traité et on voit bien que toutes ces couvertures ont pour but de faire peur aux gens, sachant que la grande majorité continue à soutenir ce mouvement qui est magnifique. Les médias dominants se donnent vraiment le mot d'ordre, faut-il dire, de faire peur, de montrer la violence. Et donc, il faut analyser pourquoi, d'où ça vient. Ça fait partie de ce que j'appelle la technique de diabolisation. Pour justifier une guerre, on va dépeindre un ennemi comme étant dangereux, menaçant, monstrueux, comme étant des crimes épouvantables. Et donc la, la guerre contre cet ennemi est justifiée puisqu'il s'agit de mettre fin à un danger. Et bien dans la question sociale, on a la même, la même problématique, on a la même vision. Et en fait, je vais dire deux-trois mots de la façon dont ça s'est passé pour moi. Je crois que c'est une expérience qui peut être communiquée. Je travaillais dans les années 80 pour un hebdomadaire de gauche en Belgique qui s'appelle Solidaire. Je suivais les luttes sociales, les manifestations, les questions déjà contre la pauvreté. Et à ce moment-là, a éclaté ce qu'on appelait la première guerre du Golfe, la guerre contre l'Irak, menée par les États-Unis avec l'Europe en allié. Et on a déversé des bombes sur un pays, alors que c'était totalement pas nécessaire. Et c'était déjà une guerre pour le pétrole, et les conséquences pour le peuple irakien ont été catastrophiques. Surtout que cette guerre s'est prolongée par un embargo qui privait euh, les civils, les enfants de médicaments, de matériel, de soins de santé, etc. Et donc les ministres de Bush-le-Père ont reconnu à l'époque qu'ils avaient assassiné 500 000 enfants irakiens. Donc tout ça était basé sur des médias mensonges. Et euh, pour cet hebdomadaire solidaire, j'avais couvert pardon, cette euh, guerre et j'en avais tiré après un livre qui s'appelait attention médias les médias mensonges de la guerre du golfe manuel anti-manipulation et à ma grande surprise ça a eu beaucoup de succès c'était la première fois qu'on faisait une analyse des médias mensonges en Europe et il y a eu beaucoup d'intérêt dans le public c'était vraiment un best-seller j'étais étonné j'avais été aidé par une équipe d'une dizaine de personnes qui avaient analysé tous les, toutes les coupures du journal Le Monde, du journal Le Soir et les journaux télévisés des quatre grandes chaînes privées et publiques en Belgique et en France, le constat était épouvantable, c'est-à-dire qu'on nous avait menti du début à la fin, mais tous les jours, pas sur les opinions, chacun a le droit d'avoir son opinion sur la guerre, mais sur les feux eux-mêmes. On nous menait en bateau de façon incroyable. Alors, ça a donné lieu à des centaines de conférences en Europe. La réaction des journalistes a été en général très négative, on ne peut pas cracher dans la soupe, mais il y en a eu notamment à la télévision publique belge et à la radio qui m'ont invité, qui m'ont même demandé un article, qui ont réfléchi sérieusement au problème. Donc l'attitude des journalistes était partagée. Et le journal le soir, par contre, a dit, je refuse, nous, nous refusons de participer à tout débat là-dessus, ils avaient été invités. Donc ça pose beaucoup de questions, le monde, l'IB aussi, euh, pas question d'en parler. Et ça c'était sur la première guerre du Golfe. Après, j'analysais deux, deux autres guerres qui ont sanglanté cette fois-ci l'Europe. C'était la guerre en Bosnie en 1991-1995 avec toute une analyse des médias mensonges. La méthode consistait à montrer chaque fois des photos, de montrer ce que euh, dans les médias on avait vu. Et à analyser si c'était fiable. Et il y avait donc des images de la télé, des reprenances. <coughs> Pardon, je vous avais prévenu, hein, les cordes vocales sont pas top Et donc, à montrer euh, comment on avait été informé ou désinformé. Puis j'ai fait sur la guerre du Kosovo Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde. Et là, euh, au niveau des médias, il y a eu encore un peu de réaction, mais en gros, c'était la censure totale. Et un travail de diabolisation. Et ensuite, j'ai continué ce travail. J'ai publié notamment un livre d'une chercheuse des États-Unis, Eva Gollinger, Code Chavez, CIA contre Venezuela, dans lequel elle analysait comment, au contraire de tout ce que les médias nous avaient raconté, les coups d'État militaires contre Chavez n'étaient pas du tout spontanés, mais étaient préparés par les États-Unis. Qui avait mis énormément d'argent à financer des politiciens, des académiciens, des professeurs, euh, des responsables d'ONG et des journalistes, des journalistes financés par les États-Unis pour préparer le renversement de Chavez. Donc ça se trouvait dans ce bouquin très intéressant d'Eva Gollinger. Après quoi, j'ai continué justement à analyser euh, l'expérience de Chavez en Amérique latine parce que un type qui voulait récupérer l'argent du pétrole et le donner aux pauvres au lieu de le donner aux riches trouvait ça intéressant et effectivement c'était intéressant et ce que j'ai constaté ça se trouve dans un chapitre à la fin de ce livre c'est que le journal Le Monde était en tête des médias menteurs et des fabricants de médias mensonges il y avait là-bas un, un bonhomme qui n'était même pas à Caracas qui écrivait depuis très loin et qui était manifestement payé pour sortir de la boue contre Chavez et puis des enquêtes menées notamment par Maxime Vivas du Grand Soir, par euh, d'autres encore, ont montré qu'il ben, y avait de l'argent de la CIA derrière euh, ces journalistes qui mentaient sur euh, le Venezuela, notamment aussi derrière Reporters sans frontières, qui a d'abord nié, qui a accepté. Et donc ça posait toute la question, notre info est-elle vraiment neutre et objective après, j'ai publié un livre, euh, Israël parlons-en, qui n'a pas eu une seconde dans les médias, vous vous en doutez, et qui euh, n'a pas eu une seconde, pas une ligne, et qui euh, réfute la manière dont Israël est présenté dans les médias, mais là-dessus, il n'y a aucun débat. Donc voilà, avec ça, vous avez le, mon parcours, mon activité professionnelle, on va dire, puisque je suis fondateur bénévole d'Investigation et que je travaille, je suis à la retraite maintenant et je consacre tout mon temps à ça bénévolement, parce que je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans information valable. Je pense que notre info elle est manipulée. Je l'ai montré sur la question des guerres, mais pour moi, les Gilets jaunes, c'est une guerre aussi. Et donc, on va on va montrer en quoi ça s'applique. De cette expérience d'analyse sur les guerres et les injustices, j'ai tiré une méthode de vigilance, je vais dire, par rapport aux médias, que j'ai appelée les cinq principes de la propagande de guerre. Vous pouvez faire l'expérience de l'appliquer à n'importe quel conflit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, international ou euh, social, comme euh, les Gilets jaunes maintenant. Vous pouvez faire l'expérience. Les cinq principes de la propagande de guerre, je serai très bref parce que je l'ai déjà développé ailleurs et euh, je ne veux pas trop rallonger, sont 1. cacher les intérêts économiques, 2. cacher l'histoire, 3. diaboliser l'adversaire, le présenter comme un monstre, 4. inverser l'agresseur et l'agressé et 5. monopoliser, empêcher qu'il y ait des débats entre les différentes versions. 5. principes de la propagande de guerre, j'explique deux secondes. Pour réchauffer les cordes vocales euh, le premier principe fondamental c'est qu'il faut cacher les intérêts économiques on fait la guerre jamais pour le fric jamais pour le pétrole jamais pour contrôler les richesses stratégiques minérales et autres ou les zones stratégiques d'un pays important on fait la guerre pour euh, petit a Imposer la démocratie, qui, comme chacun sait, s'exporte par les bombes, bien entendu. Ou alors, pour protéger les femmes, ça c'est un exemple qui a souvent servi, protéger les minorités nationales, mettre fin à un dictateur, bien. Les États-Unis, qui protègent les pires dictateurs du monde, ou la France, pareil, sous, tout d'un coup, pour certains pays, sont très préoccupés de la démocratie et veulent là aussi l'imposer par les bombes. Ou alors... Ça, c'est le top du top. On fait la guerre pour empêcher les armes de destruction massive et pour neutraliser le terrorisme. Ça, c'est bien parce que, comme je l'ai déjà souvent dit, s'il n'y a pas sur place des terroristes qu'on peut utiliser comme excuse, ben, il suffit d'en amener quelques-uns et on a l'excuse toute trouvée. Voilà. Cacher les intérêts économiques, ça s'applique dans le conflit des Gilets jaunes. Vous avez vu les couvertures de la... Diabolisation, la violence vient de ces gens euh, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois à cause de l'injustice, mais c'est quand même eux les violents. Et un deuxième principe de la propagande de guerre, c'est cacher l'histoire. Dans le cas des régions de pays du Sud que j'ai analysées, cacher l'histoire, ça veut dire cacher ce que les puissances coloniales, la France, l'Angleterre, la Belgique, ont fait. Et comment ils ont divisé les populations locales, comment ils ont créé la pauvreté, comment ils se sont rangés pour dresser les uns contre les autres. La Grande-Bretagne et la France sont très très forts pour faire ça, pour diviser les populations et les dresser les uns contre les autres. C'est incroyable le nombre de frontières que ces deux puissances coloniales ont créées dans une série de régions du monde pour garder un contrôle et pour laisser des bombes à retardement. Cacher l'histoire, dans le cas des Gilets jaunes, c'est cacher. Quelles sont toutes les mesures qui ont été prises depuis 40-50 ans J'ai l'âge d'avoir vu tout ça. La situation dans les années 70 était totalement différente. Cacher toutes les mesures prises par différents partis, tous les partis qui ont été au gouvernement, en fait, qui ont transféré les richesses des travailleurs, des gens qui les produisent, aux riches. Il y a un transfert incroyable de richesses qui s'est opéré. Et ça, c'est une histoire qu'on nous cache. La misère, là maintenant, elle a l'air de tomber du ciel. Ah oui, les gens sont pauvres, c'est triste. Mais non, la pauvreté, vous l'avez fabriquée. Vous avez pris, année après année, des lois qui transféraient une partie du gâteau vers ceux qui en avaient trop et qui laissaient ceux qui n'en avaient pas de plus en plus dans la difficulté. Donc la pauvreté a une histoire. Il faut l'analyser, il faut y réfléchir. Le troisième principe de la propagande de guerre, c'est diaboliser. Et là, dans mes différents livres... J'ai pris chaque fois les images qu'on a balancées au public. Les gens qui ont mon âge ou un peu plus jeunes se souviennent des images qu'on a lancées sur l'Irak, les armes de destruction massive, sur la Yougoslavie, en soi-disant génocide au Kosovo, sur la Libye, Kadhafi bombarde des populations. Tout ça était faux, tout ça a été des fake news, c'est incontestable maintenant, mais au moment même, ça a été soigneusement caché, et donc comme ça, on a justifié les guerres. Et moi, en tant que reporter, je suis allé en Irak, je suis allé en Yougoslavie, je suis allé en Libye, j'ai vu les conséquences, j'ai vu des choses abominables, j'ai vu des enfants victimes de nos bombes humanitaires. Elles ne sont pas humanitaires, c'est des bombes pour le fric. Et il est très important d'analyser comment l'opinion publique a été manipulée pour approuver la guerre. Comment maintenant on approuve, on manipule l'opinion publique pour qu'elle approuve la répression de plus en plus violente qui est menée contre. Les Gilets jaunes. J'ai reçu des témoignages, des rapports, des listes impressionnantes de gens qui ont perdu un œil, une main, qui sont mutilés à vie, même plusieurs décès. Il y a une liste impressionnante. Il y a un journaliste très courageux, David Dufresne, qui s'est spécialisé là-dedans, qui a publié des choses. Et. Tout ça n'est pas dans les médias. De temps en temps, on dit qu'il y a un gilet jaune qui a été blessé et qu'on va, va faire une enquête. Mais le phénomène de masse, les instructions qui sont données par les ministères et Macron, comme en a témoigné un syndicaliste CGT de la police extrêmement courageux qui a témoigné dans le, dans le, le média, ça c'est totalement absent des médias dominants que nous avons montrés. On est dans la diabolisation des gilets jaunes et. Ça, c'est le troisième principe de la propagande de guerre et ça va de pair avec le quatrième, inverser l'agresseur et l'agressé. Si on présente les gilets jaunes comme des violents dangereux, c'est parce que justement, il faut justifier l'agression qui va être faite contre eux, la répression policière qui va être faite pour casser le mouvement. Alors que les policiers, dans le fond, ont le même intérêt que les gilets jaunes et sont placés dans des situations où ils sont obligés de faire des choses injustes et illégales. Donc, inverser l'agresseur et l'agressé, ça c'est toujours comment on nous présente les guerres. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut monopoliser l'info, il faut empêcher qu'il y ait un débat. Quand vous avez une guerre, vous avez toujours deux versions. Quand vous avez un conflit social, vous avez toujours deux versions. Donc, il faudrait confronter les deux versions tout simplement, que chacun puisse déjà se faire son opinion. Mais ça, ça ne se fait pas, parce qu'il faut imposer la version dominante. Et nous allons bientôt voir. Pourquoi il faut absolument imposer cette version euh, dominante euh, Là, je prends, je regarde si vous avez euh, des questions particulières que je devrais traiter. Un petit moment. La démocratie est à bout de souffle, il faut trouver autre chose. C'est à mon avis pas la démocratie. Il faudrait plus de démocratie et pas moins. Euh, les sept péchés gauche Chavez n'est plus disponible sur le site malheureusement. Il nous en reste quelques-uns, à écrivez via le, le site, on va trouver une solution. Euh, mais c'est vrai qu'il est presque épuisé. Euh, on manipule même notre histoire de France depuis des années. Les, ar les archives sont ouvertes et les historiens sérieux ont un mal fou pour les diffuser. Ils sont traités de complotistes. Ça, c'est tout à fait vrai sur l'histoire, cette remarque de Catherine. Et pour travailler là-dessus, justement, un des prochains livres qu'on est en train de préparer la publication, c'est de Jacques poels qui a écrit, je l'ai eu ici à Michel Midi, sur 14-18-40-45. Il va donc sortir un livre, Les Mythes de l'Histoire, qui va être extrêmement formateur, justement, sur comment on nous cache l'histoire et comment on la déforme, parce qu'elle nous apprend beaucoup. Je voudrais venir à la question de l'économie. On a vu euh, le Parisien, on a vu euh, ici, on a BFM Économie. Pardon, il faut que je me mouche. Voilà. Et donc, je le disais, il faut cacher les intérêts économiques. Et sur BFM TV, c'est extrêmement flagrant. Vous avez ici cette phrase magnifique en apparence de l'économiste de service de BFM TV. Un pays pauvre est d'abord un pays qui n'a plus de riches. Alors, ça, ça impressionne, ça épate. On a l'impression qu'on va vraiment comprendre le fond du problème. Mais ce monsieur est un charlatan. Ce qu'il nous dit là d'un air sérieux, ça ne tient pas debout. Premièrement, la France n'est pas un pays pauvre. la France est un pays très riche okay Et le seul problème c'est que les richesses de ce pays sont accaparées par une toute petite minorité qui refuse de les partager et donc un, hein, vous mentez okay Deuxièmement, vous essayez de mettre en danger de de, mettre, de faire paniquer les gens aïe! La France n'aura plus de riches. On devrait, avec ce monsieur, créer la Ligue de protection des riches en danger. Ça va Gardez votre porte-monnaie pour vous. C'est n'importe quoi. Ce monsieur, avec l'idée, les pauvres ont besoin des riches, est en train de protéger le 1% et de faire croire qu'on a besoin de lui. Mais c'est faux. Les riches ont besoin des travailleurs, et les travailleurs sont de plus en plus pauvres. Pourquoi les riches ont besoin des travailleurs Quand je parle de riches, attention, hein, on ne parle pas quelqu'un qui a une maison, une voiture qui veut prendre des vacances, on parle de beaucoup plus, on parle de ce 1%, même pas 1%, qui, lui, a du fric à ne savoir qu'en faire, et qui contrôle l'économie. Dans un de mes livres récents, j'ai analysé, voilà, il y a 3000 familles qui contrôlent l'économie mondiale. Les riches, c'est ça. C'est même pas un 1%. Bien. Pourquoi les riches, ils ont besoin des pauvres Il faut avoir le courage d'appeler les travailleurs aujourd'hui des pauvres. Pourquoi ils ont besoin des pauvres Parce que c'est les pauvres qui produisent leur richesse. S'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas les voitures, les maisons, les avions, le foie gras, tout ça. C'est les pauvres qui les produisent. Et les riches ont besoin des pauvres, un, pour que les gens produisent en étant le plus mal payés possible. Comme ça, la part du gâteau qui sort de l'usine va dans la poche des actionnaires très riches. Et les riches ont besoin des pauvres pour leur amener cette richesse. Et ils ont besoin des pauvres pour mettre les gens en concurrence entre eux. Il faut que les pauvres soient pauvres pour qu'ils acceptent n'importe quel travail, même mal payé. Donc les riches ont besoin des pauvres, mais est-ce que les pauvres ont besoin des riches ben, Si vous mettez un riche tout seul dans une usine, il n'y a rien qui va sortir. Tandis que si vous mettez seulement les travailleurs dans l'usine et pas le patron ou les actionnaires, dans beaucoup de cas, ils arriveront à produire eux-mêmes les marchandises. Et donc, les riches ne sont pas indispensables, mais les pauvres, oui. Mais bon, on creusera ça une, une autre fois. Et une autre image qui montre où veulent en venir les économistes de BFM TV, mais c'est partout la même salade. Hein. J'ai pris cet exemple-là parce que j'avais une image, mais ils disent tous pareil. Et là, ce même bonhomme nous dit, rétablir l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, se comprend politiquement mais n'est pas défendable économiquement. Ah bon Pourquoi Ça se comprend politiquement. Là, vous êtes en train de dire, oui, les gens sont dans la rue, ils réclament, on peut les comprendre, mais ils ont tort. Ils ont tort, ils ne comprennent pas l'économie. Ça n'est pas possible d'imposer les riches. Ah bon Vraiment euh, Mais ils gagnent des fortunes dont ils ne savent pas que faire, ils ne savent même pas où les placer, leur argent. C'est un gros problème pour ces pauvres riches qui savent même plus placer euh, leur fortune, tellement ils en ont. Et donc, ce que ce monsieur est en train de nous dire, c'est que les pauvres ont besoin des riches, parce que s'il y a des riches, ils vont faire ce qu'on appelle ruisser leur fortune, c'est-à-dire qu'ils vont euh, consommer et donc donner du travail aux gens. Donc, vivent les riches. Ça a l'air magnifique, sauf que c'est complètement faux. Vous ne pouvez pas manger du caviar toute la journée et à un moment donné, il faut vous arrêter. Et donc, la consommation des riches n'est pas la chose qui va permettre aux pauvres de survivre. Surtout que comment ils sont devenus riches En payant mal les pauvres, en payant mal les travailleurs, en licenciant le plus possible. Donc en fait, ils ont supprimé du pouvoir d'achat et là maintenant, ils prétendent qu'ils vont nous en donner. C'est faux, c'est exactement le contraire. Il faut évidemment, pour que l'économie tourne, que les gens aient un pouvoir d'achat sérieux et que les richesses qu'ils produisent soient redistribuées entre eux. Voilà. Euh, donc on est dans une version de l'économie et c'est toujours comme ça euh, au niveau de, de, des grands médias. C'est toujours comme ça. On a l'impression que les économistes, c'est comme la météo. Ils nous disent le temps qu'il va faire demain. La bourse va aller mieux. Non, demain, la météo est pas bonne. La bourse non plus. On a l'impression que ce sont des phénomènes naturels qu'on commente, sur lesquels on peut rien. Alors qu'en réalité, est la bourse, c'est l'endroit où s'échange l'argent qu'on a volé aux travailleurs. Et ça ne peut pas être dit, bien entendu. Et s'échange pour gagner encore plus par la spéculation. Les gros spéculateurs s'arrangeant pour prendre encore plus les revenus des petits spéculateurs qui essayent de compenser leur basse retraite par cette chose-là. Donc, la question à laquelle je dois venir maintenant, je vois que l'heure tourne, la question à laquelle je dois venir maintenant, c'est pourquoi les, les, les médias fonctionnent comme ça Est-ce que tous les journalistes sont pourris Je pense que non, je pense qu'il faut faire une distinction très importante entre médias et journalistes. Et je vais m'expliquer là-dessus. Hier, on me faisait un témoignage sur une scène qui s'est passée entre des journalistes de la télévision publique belge et des Gilets jaunes près de Mons en Belgique. Les journalistes ont demandé aux Gilets jaunes s'ils pouvaient venir utiliser un, un blocage, un piquet de gilets jaunes comme fond de décor pour interviewer deux experts qui allaient parler sur les gilets jaunes. Et ceux-ci ont été consultés, ils en ont discuté, puis ils ont dit, ben bah, non, non, c'est à nous qu'il faut donner la parole, on ne veut pas être le décor derrière des experts. Donc je n'étais pas sur place, je ne sais pas si les journalistes ont choisi ça eux-mêmes ou s'ils avaient des instructions, mais je pense que ce, cet événement, cette scène, montre qu'il y a un profond mépris de classe sociale envers les Gilets jaunes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner la parole aux Gilets jaunes eux-mêmes Ils n'ont pas des choses à dire, ils n'ont pas des questions à poser. Pourquoi est-ce qu'on doit juste les utiliser là comme un fond de décor euh, qui euh, permet de faire un bouffon d'image, de donner la parole à qui Ça, c'est un problème aussi dans les médias en général. La parole est extrêmement restreinte aux experts qui sont acceptables. Or, tous les camps, toutes les opinions sur ces questions ont leurs experts. mais Il y en a qui peuvent passer à la télé, à la radio et d'autres pas. Donc, je crois qu'il y a un vrai problème. Que le débat est bloqué, même dans la télévision publique en Belgique et en France. Toute une série de gens sont mis au placard, et c'est un vrai problème qui, à mon avis, explique cette euh, cette colère justifiée des gilets jaunes contre le traitement de l'information. Je voudrais creuser la distinction que j'ai signalée entre médias et journalistes. Ce que je décris là, pour moi, ce n'est pas la faute des journalistes, c'est la faute de ce que j'appelle le système des médias. Et ça, j'ai creusé dans le livre Attention médias dont je vous parlais. Ça a été creusé aussi dans un livre que investigation a réédité qui s'appelle Fabriquer un consentement d'Herman et Chomsky. Et en gros, sur base de cette analyse d'Herman et Chomsky, j'avais proposé une explication du système des médias par un système de filtres. Il y a des infos qui existent quelque part, et elles vont être filtrées, elles vont aller au public ou non, ou elles auront une toute petite importance, ou bien au contraire, ça va faire la une, sur base de quatre critères. Je vais être très bref là aujourd'hui, il faudrait creuser, on aura peut-être l'occasion. Premièrement, la propriété des médias. En France, c'est très flagrant, en Belgique, c'est moins spectaculaire, aux États-Unis et dans la plupart des pays occidentaux, c'est très flagrant. Les médias sont aux mains de milliardaires. Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient qu'il y ait une info honnête, équilibrée, impartiale, donnant les deux avis sur l'économie qui fait qu'ils sont très riches et les autres pas, sur les guerres qui les enrichissent et qui font tellement de tort, et surtout les conflits sociaux en général Pourquoi est-ce qu'ils donneraient une information qui irait contre leurs intérêts de milliardaires Poser la question, c'est y répondre. Un deuxième filtre, parce que tous les médias ne sont pas privés, un deuxième filtre, c'est la publicité. On a énormément réduit les budgets des euh, télévisions publiques en général dans les pays occidentaux, et donc les télés sont obligées de se financer en accueillant de la publicité, c'est-à-dire les budgets des grosses multinationales. 80% de la pub, ce sont les budgets de 20 multinationales, qui vous vendent trop cher toute une série de produits dont vous avez besoin ou pas. Et la publicité est évidemment un moyen de pression. Quand vous regardez un journal, vous allez voir les grandes multinationales qui, met, qui mettent leur pub, et c'est ça qui paye le journal, c'est ça qui paye la télé ou la radio. Et donc c'est un, un filtrage, une pression très très forte. Qui fonctionne essentiellement par l'autocensure, bien entendu. On sait qu'on ne peut pas contredire les intérêts de ces sociétés. Il y a des exceptions. De temps en temps, il y a des journalistes courageux qui arrivent à faire paraître un reportage sur tel ou tel secteur de multinationales. Il y a parfois aussi des contradictions entre certains secteurs de multinationales. Et à ce moment-là, on a le droit de critiquer certaines. L'ensemble du système, non, mais certaines, oui. Bien, deuxième filtre des médias. Le troisième, ce sont les liens. Entre les directeurs des médias et euh, les journalistes vedettes aussi, euh, les gens ont un très très gros euh, salaire, et l'establishment le, économique et politique, les liens. Ça, ça a été magnifiquement analysé dans un livre de Geoffrey Goens, euh, Tout pouvoir confondu, euh, État, capital et médias à l'ère de la mondialisation, dans lequel il analysait magnifiquement l'incorporation, l'intégration, la fusion entre les actionnaires, les conseils d'administration des grandes sociétés multinationales, y compris de la banque, de l'automobile, de, de, de la chimie et même de, le, de la guerre, avec des dirigeants politiques, anciens ou futurs, et avec des médias. Et donc, on trouve dans les mêmes conseils d'administration des grands médias aux États-Unis ou en Europe aussi, des représentant des grandes multinationales. Donc il y a des liaisons très très importantes. Troisième filtre. Le quatrième, c'est l'idéologie dominante parce que malgré tout ce que je viens de dire, malgré ces trois facteurs qui pèsent, évidemment, il y a des journalistes qui essayent de faire quand même leur travail correctement. Il faut les encourager, mais il faut se rendre compte qu'ils sont placés dans des conditions très difficiles pour plusieurs raisons. Un, le rythme de travail. On les impose de travailler rapidement et pas de faire des enquêtes ni de vérifier leurs infos. Et puis, il y a aussi, et ça c'est le quatrième fil, c'est ce que j'appelle l'idéologie dominante. On a tous reçu une formation à l'école, ou dans les médias, ou à la télé, autour de nous, qui répercute les idées dominantes et qui fait que un journaliste qui veut aller à contre-courant de ses intérêts dominants, il doit vraiment faire un travail sur lui-même d'analyse critique et de dire, voilà, je crois à ça, mais pourquoi est-ce que je crois à ça? Est-ce que je me fais moi-même imprégner et manipulé par les préjugés dominants? En matière de racisme, on voit ce genre de choses. Chacun doit de... avoir un travail à faire pour lutter contre les préjugés racistes de son éducation. Mais sur le plan économique, social et stratégique, c'est un... très important aussi. Bien, voilà donc le les quatre filtres, propriété, publicité, liaison au sommet et idéologie dominante, qui font qu'on est dans un système de propagande dont beaucoup de journalistes ne sont pas conscients, mais qui est d'autant plus efficace s'ils ne sont pas conscients. Et là, c'est la première chose que je voudrais dire sur la question que faire, à laquelle on va arriver bientôt. La première chose, c'est de comprendre comment fonctionne ce système des médias pourquoi il y a des tabous, quelles sont les choses les plus fondamentales qui nous sont cachées, j'ai essayé d'en parler un peu euh, aujourd'hui, et, et de voir que les journalistes, en fait, sont eux-mêmes quelque part victimes de ce genre de, de situation, et qu'il faut distinguer. Les journalistes, selon moi, se divisent en trois catégories. Il y a une petite catégorie de très grands privilégiés. Ce sont ceux qui crachent à longueur de chronique sur les Gilets jaunes en disant qu'ils sont irréalistes et responsables. Mais évidemment, ils ne vont jamais montrer leur feuille de paie et dire combien ils sont grassement payés pour répandre ce genre d'insultes. Ça, c'est une petite minorité. C'est même pas 5%. À l'autre extrême, vous avez une petite minorité qui sont euh, ce que j'appellerais des guerriers de l'information, qui essayent de faire passer des choses courageusement, mais c'est des émissions qu'on est de plus en plus en train de supprimer. Ce n'est pas aux Français que je dois donner des exemples de tous ceux qui ont été au cimetière des médias. Mais la grande majorité des journalistes est prise dans le train-train, dans la routine, dans la course à la production, n'a pas le temps de s'informer sur tout ça. Euh, est pris dans l'ambiance au, au travail aussi, ce que j'appelais l'idéologie dominante. Mais ce sont des gens qui sont eux mêmes victimes. Je pense que si on leur laissait la possibilité de faire leur travail sans toute cette pression, ce stress, et en ayant beaucoup plus de temps pour vérifier les infos et aller cueillir les, les infos et les analyses qu'on nous cache, on... ils seraient plus heureux. Et voilà, ça c'est l'analyse sur les quatre filtre de l'information. Je voudrais dire, avant de conclure, je regarde, oui, ça va au niveau des questions. Xavier Niel a contribué à l'élection de Macron. Xavier Niel dirige certains médias, oui. Il y a des sites sur lesquels, et vous pouvez trouver ça certainement sur Le Grand Soir, sur Investigation aussi, il y a une propriété extrêmement concentrée entre les mains de quelques milliardaires des médias en France. Euh, les multinationales contrôlent tout et tous, oui. Euh, Marie, c'est pour cela que je ne regarde plus la télévision. Je vous comprends. D'un autre côté, je pense qu'il faut regarder la télévision. Certaines choses sont quand même intéressantes. Et puis surtout, il faut voir ce qu'on nous dit dans la télévision pour pouvoir le comp comparer et le confronter. Je pense que voilà, ça fait partie d'une démarche euh, citoyenne critique sur l'information qui, euh, qui est nécessaire. Vous croyez que certains journalistes ne sont pas conscients Ben oui, j'ai essayé d'expliquer. Oui, je pense qu'il y a des journalistes qui sont conscients que le système dans lequel ils travaillent ne, ne fonctionne pas et qui peuvent se poser des questions. Euh, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, là juste avant ma maladie, j'étais dans un débat euh, sur Julian Assange au Cinéma-Aventure à Bruxelles, organisé par Attaque. Il y avait Raphaël Correl, ancien président équateur, et Victor Dedache du Grand Soir qu'on a eu ici. Et dans ce débat, un journaliste de... retraité de la RTBF, la radio publique, a fait une intervention très intéressante. Et c'est un des journalistes que, justement auquel je pensais en disant, voilà un journaliste courageux qui a essayé de faire son travail. Victor avait dit, euh, les médias, euh, ils ont vraiment euh, mis Assange au placard. Et ce journaliste n'était pas d'accord. Il a dit, ben moi, j'ai fait un, un reportage, j'ai demandé à faire un reportage sur Julien Assange. Je n'ai pas eu de problème. Je suis allé à Londres, j'ai fait mon reportage. Il est passé. Donc, on a la liberté quand même. Euh, de, de faire du bon travail. Et comme c'est une question qui nous était posée, je suis intervenu et j'ai dit oui c'est vrai voilà un exemple de ce que des journalistes courageux euh, arrivent à faire quand même dans le système officiel des médias. Mais je lui ai dit j'ai quand même un problème. Les infos que Julian Assange et WikiLeaks sont balancées. Ce sont des infos qui montrent que tout ce que les présidents des États-Unis, mais aussi de France, nous ont dit ces dernières années sur les guerres, sur les coups d'État, sur ce qu'ils faisaient en Libye, en Syrie, en Ukraine, au Venezuela, etc., dans les publications de Assange et de Wikileaks, dans, notamment dans les emails de Clinton, on voit que tout ce qu'ils nous ont dit et qui a été repris par les médias était faux, était un mensonge, et qu'ils le savent, qu'ils en sont conscients, qu'ils se sont trompés l'opinion. C'est là, noir sur blanc. Et donc, j'ai dit à ce journaliste, si on avait pris au sérieux ton reportage sur Assange, si on avait pris Assange au sérieux, eh bien, les journaux télévisés, publiés sur la Libye, sur la Syrie, sur l'Ukraine, sur le Venezuela, sur l'Irak, N'auraient pas du tout été les mêmes. Ils auraient été complètement différents. On aurait dit, je ne sais pas moi, on aurait dit voilà, la Maison-Blanche a publié ce communiqué aujourd'hui, ou Donald Trump a dit ça, ou Obama a dit ça, ou euh, Sarkozy ou Hillary Clinton ont dit ça. Ok, on leur donne la parole. Et après, on dit oui, mais dans un email, ils ont bien dit que c'était le contraire, donc est-ce que vous ne devez pas vous méfier des images que nous venons vous présenter Ça, ce serait traiter les citoyens, les spectateurs en adultes. C'est-à-dire leur dire, oui, il y a des infos officielles, on sait qu'il y a des manipulations derrière, méfiez-vous. Ça, pour moi, c'est le travail d'un média et d'un journaliste. Et donc, je lui ai dit, et je n'ai pas eu de réponse à ça, mais j'espère qu'il y en aura, j'espère que ce sera un thème de réflexion. Je suis prêt à rencontrer des journalistes qui font l'info officielle, qui expliquent leur point de vue, leurs difficultés qui sont réelles. Mais s'il n'y a pas de débat, si les journaux télévisés continuent à redire comme si c'était parole d'évangile, la version officielle de l'Elysée, de la Maison-Blanche et de ces officiels-là, alors qu'il est prouvé par ailleurs qu'ils n'ont pas arrêté de mentir. Alors là, je m'excuse. On va vraiment se poser des questions sur l'info libre. Bien. Donc voilà la, la réponse à cette question qui avait été posée. Bien. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre plus tard, mais de clôturer quand même, aussi pour une question de, de fatigue. La question qui nous intéresse tous par rapport à ça, c'est que faire Je crois que je n'ai pas de recette à donner. J'ai essayé de communiquer une expérience. Et je crois que la chose la plus importante a déjà été faite par beaucoup de Gilets jaunes, c'est-à-dire nous sommes tous des journalistes. C'est à vous de communiquer, c'est à vous de prendre la parole, de prendre en main l'information. Les réseaux sociaux donnent la possibilité d'informer directement. Et quand je faisais des conférences sur les guerres et les médias mensonges, je clôturais très souvent par ce message d'espoir. Nous sommes tous des journalistes appelant les gens à faire l'info eux-mêmes sur... Ce qui n'était pas possible de dire dans les grands médias. Et on me disait souvent Oui, bon, c'est parce que tu dois terminer un peu sur un message d'espoir, mais hein, est-ce que c'est possible Oui, je crois vraiment que c'est possible. Je crois que prendre la parole et appliquer cette idée, nous sommes tous des journalistes, c'est euh, possible. Et je crois que ça, c'est ma première leçon à organiser il n'y a pas de démocratie sans information correcte. Les gens ne peuvent pas prendre position s'ils n'ont pas et les faits et les causes de ces faits. Voilà. Euh, bien entendu, certains se disent, oui, mais moi je ne suis pas journaliste, euh, je ne sais pas faire ça. Si, l'expérience que j'ai eue dans le journal Solidaire, où je faisais écrire beaucoup de gens qui euh, n'avaient jamais prévu, il y avait des ouvriers, il y avait des simples militants, il y avait euh, des gens de toutes origines qui n'avaient jamais prévu d'être journalistes et qui y sont arrivés avec quelques conseils. J'ai édité, pour ceux que ça intéresse, un manuel de journalisme alternatif qui donne des tuyaux sur les erreurs à éviter, comment faire, quelques principes de base. Et je peux, vous pouvez écrire à notre site ou à michelumidiatinvestiaction.net et on vous communiquera ça si ça peut vous aider. Je crois qu'il y a différentes de mesures sur lesquelles il faut réfléchir. Certains ont dit qu'il faut un observatoire de la censure, d'autres ont dit qu'il faut des actions en justice contre les actions de désinformation absolument organisées. Euh, on va revenir sur ce que Macron fait. J'avais une petite vidéo euh, très amusante, second degré, mais j'ai pas eu le temps de l'insérer comme il fallait, où Macron euh, annonce dans ses voeux aux Français qui, à mon avis, battent le record mondial de l'hypocrisie, Macron annonce parmi tous ses voeux le vœu voeu de vérité pour qu'on ne soit plus euh, manipulé par les fausses informations. Là, j'aurais beaucoup à dire. Une prochaine fois, je vous passerai euh, cette vidéo et je vais montrer en quoi Macron lui-même est le chef d'orchestre de euh, des informations et des médias mensonges et comment, surtout, il est en train de préparer des mesures qui vont restreindre la liberté d'informer, la liberté des véritables journalistes. Et il faut réfléchir à ce qu'on peut faire au niveau de la rédaction d'un article de la Constitution sur garantissant une liberté d'informer. C'est une réflexion qu'on avait entamée avec Étienne Chouard. Voilà des pistes. Euh, ce soir, j'ai été invité à une Assemblée générale du Gilet jaune en Belgique à Silenrieux, près de Charleroi. Euh, J'essaie d'y aller. On verra comment, comment est la santé, c'est pas près de chez moi. Euh, si c'est pas possible, peut-être qu'on pourra faire une collection par Internet et échanger. Je crois que c'est très très important de, de travailler là-dessus. Euh, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec les Gilets jaunes, c'est que j'ai... Euh, Récemment publié le livre USA Les 100 pires citations, qui analyse comment, justement, tous les dirigeants des États-Unis nous ont caché ce qu'ils faisaient et ont travaillé très soigneusement à manipuler euh, l'opinion publique pour euh, faire en sorte qu'ils ne soient absolument pas au courant de leur politique. Et là, vous avez une citation extrêmement euh, euh, frappante d'un certain Edward Bernays, qui était un conseiller de l'armée et de la CIA pour leurs coups d'État et leurs invasions militaires. Et dans cette citation, il explique qu'on peut vendre un gouvernement comme une marchandise. <coughs> Pardon. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et le livre donne beaucoup d'exemples aussi des principaux stratèges des présidents des États-Unis à différentes périodes qui disent, en tout cas, la chose la plus importante, c'est de tenir le peuple dans l'ignorance. Le plus important, c'est de tenir le peuple dans l'ignorance. Donc, euh, Investigation est en faillite, les Gilets jaunes aussi, à ce que je comprends, beaucoup d'entre vous. Donc, il y a une petite chose qu'on pourra faire euh, pour s'entraider, c'est que... Euh, Investigation va offrir... 50 exemplaires de ce livre aux différentes régionales de Gilets jaunes qui nous contacteront et qui nous diront comment on peut les leur faire parvenir. Je pense que même si ça traite la guerre, comme je l'ai dit, c'est important pour la bataille de l'info, ça peut donner des inspirations. Et puis de toute façon, c'est un thème sur lequel on reviendra plus tard. Il ne faudrait pas penser que les guerres faites par la France et les pays occidentaux dans les autres pays n'ont pas de conséquences sur le social des Gilets jaunes ici. C'est totalement connecté ces deux phénomènes. D'abord, quand on dépense de l'argent pour des F-35 ou des rafales ou des missiles ou des porte-avions, l'argent qu'on dépense là, c'est l'argent qui devrait servir à faire des hôpitaux, des écoles et à donner des emplois aux jeunes. Donc c'est l'argent qu'on vous vole. Ça, ça doit être très clair. L'industrie de l'armement volent l'argent des travailleurs et il faut qu'on en parle. Et deuxièmement, la guerre, comme je l'ai montré dans différents livres, n'est pas la solution des problèmes et des conflits internationaux. D'abord, la guerre est interdite par la charte de l'ONU, donc euh, tous les présidents de France qui ont mené des guerres devraient être en prison. Et c'est prouvé dans le livre à propos des présidents des États-Unis. Et deuxièmement, la guerre aggrave la mise en concurrence entre les travailleurs. Quand vous détruisez l'économie d'un pays, comme la France le fait avec la France-Afrique, ou quand vous détruisez les espérances de vie d'un pays en allant bombarder en Libye euh, et dans d'autres pays, vous créez, vous fabriquez des millions de réfugiés. Et après, vous êtes en train d'amener ces réfugiés en Europe ou aux États-Unis, où ils vont être en, en concurrence avec les gens qui cherchent du travail. Et c'est ça le but. Regardez bien des déclarations des fédérations patronales, ils veulent des immigrés. Ils veulent des immigrés sans droit, des immigrés euh, qui n'auront pas de solidarité et qui vont accepter n'importe quoi et qui vont faire baisser les salaires et les conditions de travail. Donc là, on a un engrenage et on en parlera dans une prochaine émission sur la question des migrations, bien entendu. Bien, euh, je dois m'arrêter. Euh, je vais répondre par écrit euh, aux questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre en vous remerciant énormément pour votre intérêt et votre fidélité. La, mardi prochain, nous aurons donc le 29 janvier, 29 janvier, je dis ça parce que je n'arrête pas de me tromper sur les dates, excusez-moi, le 29 janvier, nous aurons un euh, Michel Midi qui va concerner ce que j'appelle la violence des riches, où on va voir d'où vient la richesse, d'où vient la pauvreté, et que tout ça n'est pas comme de la météo, mais que tout ça est une situation sur laquelle... Nous avons beaucoup plus de prises qu'on veut essayer de nous faire croire. Voilà, je vous remercie énormément et je vous souhaite de bons combats et de belles solidarités.